Francis Bernard, numéro 46, c'est un bon chiffre ça pour le rallye des cimes cette année? J'espère. L'an dernier j'avais un numéro beaucoup plus bas et ça s'est avéré mauvais. Alors j'espère, j'ai demandé à ce qu'on me le rehausse un peu pour que ce soit meilleur cette année. Mais je suis assis dans un buggy, effectivement, il n'y a que deux roues motrices. Ça, la première condition c'est qu'il faut qu'il soit très léger. Bon, il ne faut pas que ça dépasse 800 kg avec 40 litres d'essence et un copilote. Il faut que ce soit très bien suspendu. Et éventuellement, suivant les moyens du pilote, un moteur très puissant, ça peut aller jusqu'à 300 chevaux. Là, c'est un moteur Porsche 3 litres qui développe 200 chevaux. C'est un 4 motrices, un peu original, puisqu'il a un moteur central et il a 4 roues indépendantes, ce qui fait qu'on a un véhicule efficace. D'un pilote et dans la Jeep, il y a mon mari et mon gendre. Mon mari est garagiste et prépare lui-même son engin. J'aime le voir passer et prendre des risques. Ma femme, si elle voit ça, elle va dire waouh ! Pour une fois, c'est vrai, il était vraiment au rallye des cimes. Hier soir, sur une spéciale, j'avais une minute 32, j'avais 8 secondes d'avance sur le deuxième.
C'est qu'on a pris le bord et puis on a fait un premier tonneau, soleil, retonneau, je sais pas, quand on est dedans, vous savez, on ne se rend pas tellement compte. On attendait seulement que ça s'arrête de tourner, quoi. Il y avait un Toyota qui était au même endroit, en fait. Un virage juste avant cet endroit, il y a un virage boueux et de la boue après mise par les pneus de tous les véhicules avait rendu la piste très grasse et finalement sur un chaos on est rejeté vers ce trou. A priori, ça doit être le concurrent numéro 9. Je ne suis pas sûr, je vais vous donner confirmation suivant le véhicule qui arrive. Mmh.
C'est la première fois qu'il le fait, mais il est enchanté. Il y a maintenant 29 ans que je l'accompagne et que j'ai couru pendant 12 ans. Pour moi, c'est quand même le plus beau rallye de tous. Plus de démarreur, on n'a plus je sais pas quoi, je crois qu'on a couvert le moteur.
faire.